Eh bien, bien le bonjour tout le monde, nous retrouvons aujourd'hui sur cette petite douce mélodie de Candleman. Donc là, on va incarner une bougie, c'est un petit jeu d'aventure, je ne connais pas exactement les détails, je sais qu'il y a quelques mécaniques sympas. Ça me semblait un petit jeu indé très intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Let's go! Pourquoi je me brûle, se demande-t-elle. Bah, parce que t'es une bougie. Tu as des jambes. Pourquoi tu es différent? Tu n'es pas différent. Ah si, tu as des pieds. Enfin, oui, quand même, si d'avoir des pieds pour une bougie, c'est quand même assez différent. Mais en soi, t'es une bougie. Hein, tu vas pas nous emmerder. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, donc oui, ça se présente comme ça. Seulement des déplacements, pas de zigzag de caméra possible. Et on va être dans le noir. Hein. Fatalement, je pense que ce que j'ai vu, c'est ça. Et quand on s'allume. On se consume, bien évidemment. Et apparemment, on aura des points pour se recharger et des endroits aussi pour s'allumer. On va découvrir tout ça parce que même pour moi, ça reste un peu flou. Tac. Ah ouais, je peux l'allumer, ok. Donc je peux allumer les autres bougies. Ça me donne des sous, c'est ça? Une pièce là. Je veux être riche! Donc là, moi, je m'allume, mais je me consume. Comme vous voyez, il y a du petit blanc qui. C'est de la cire. On peut sauter. On peut sauter. Cette bougie saute finalement. Donc on a des bougies allumées tout le long. Bon, vous voyez, c'est un petit jeu de plateforme, sympathique, ça demande pas trop d'efforts en soi. Donc là, voilà, donc là c'est la sortie, mais j'ai pas toutes les bougies. Et ça me frustre un petit peu, parce que moi j'ai envie d'avoir toutes les bougies. Donc là, j'ai raté 4 bougies, donc nous allons continuer notre petite aventure du chapitre 1. Ah, mais en fait, c'est chapitre 1, 4 histoires, d'accord. Bon, il y a tout de même des petites mécaniques sympathiques. Bon, je pense que ça va être quand même la galère pour accéder à toutes les bougies. Quand même des vies, attention. C'est bon, j'ai passé tout bien. Donc le truc c'est comment on y accède par ici, tout simplement. Puis, de toute façon, je crois que je suis obligé d'y passer. Vas-y la bougie! T'as de bougie! Oh putain oui! Écoutez bien le bruit des chaînes et tout. C'est super bien fait. Ça, par le coup, ça me plaît beaucoup. Bon, c'est quand même. Bon, c'est peut-être moi qui suis très nul, hein. Mais quand même, on ressent une petite difficulté. Un peu équivalent à un Dark Souls, finalement. Hein. Non, quand même pas. J'abuse un petit peu. Con. Mais saute! Putain, t'as déjà une bougie avec des pisses. Je ne me ferai pas avoir. Démon! Checkpoint! Vous êtes sérieux, bande de pute. Wow, ça passe. Sortie. Est-ce que je peux marcher sur le. Doucement, comme. Oh non! Nul. Sur 20. Oh, ça va être horrible ça. En plus, je suis tellement sûr qu'il y a une bougie sur le côté. Ah, les petits salopus. Regardez-moi ces. Trappe de foire qu'ils font quoi. Ah c'est vous êtes les pires du monde. Faut que je... mes yeux habituez-vous au noir. Oh une énigme à la bougie. On l'a jamais fait celle-là. Alors Luminos, Lumos. Je vois que je me trompe. Je vois que je me fais engueuler mais c'est Lumos. D'accord. Un carré. Et il commence à avoir quand même des belles petites mécaniques là, mine de rien. Hey. Bougie, révèle-nous qui tu es vraiment! Le monde brillant attira la petite bougie. Qui a rendu le ponton multicolore et vivant. Moi je dis. Aventure. Aventure de la bougie. Oh putain, il y a des chapitres! On est bien là. Oh là là, là moi je dis. La lumière, tu reviens! Je vais pas claquer de la cire pour toi. Hein. Bon, ça me saoulait toi aussi. Hein. Bon, pourquoi il y a de la flotte et des livres qui nagent, je sais pas pourquoi. Entre les bougies qui ont des pieds et les livres qui nagent, ça commence à devenir bizarre cette histoire. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de détails, le jeu est quand même super propre. Hein. Le parchemin et tout qui se lève là. Déconne pas le parchemin.
Elle veut devenir aussi grande et lumineuse. Ah ouais, non, mais tu vas te calmer de suite, parce que c'est bien d'avoir des ambitions. Mais je disais, c'est bien d'avoir des ambitions, mais une bougie ne peut pas devenir un phare. Hein. Ça, c'est physiquement impossible, donc tu redescends. Vite, vite. Ah non, c'est bon, je pensais que je tombais, mais pas du tout, en fait. Écoutez, le bruit, la sonorité du truc. On a vraiment l'impression de marcher sur une bouteille. C'est très bien fait. Le son, ils ont grave géré le son, par contre. Oh putain, une bougie qui vole! Oh bah alors ça, si je m'y attendais, ça me coupe la guibole. Surélevez-moi! Wouh! Je vole! Putain, une bougie qui vole, c'est quand même la classe. Hein. Ah, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais alors... Celui qui a déjà vu une bougie voler avant ça, et ben, c'est quelqu'un de très bizarre. Guide-moi, lumière! Wouah, ils ont fait un château avec des livres. J'étais fou. Je te prends, lumière bleue! Wouhouhou! Ok, c'était nul comme saut. Je m'attendais à un saut super épique, mais pas du tout. Donc là, l'astuce... Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris le petit tips, d'accord. Et là, on va pousser la bouteille tout au bout. Et on va pouvoir faire une doublette de centropète. Ok, donc là, on attend. Et là, on saute! Et là, du coup, on contre-saute! Et là, on recontre... Non, quand même, on va se calmer. Pas trop de contre-saut d'un coup. Que va-t-il arriver à cette petite bouche? Elle se dirigeait vers la poupe avec la lumière. Mais c'est cassé. Entendu les bruits dans le noir, elle le reculait. Oh, cette bougie, c'est une dingue. Ouais, mais on va se calmer quand même, hein, parce que vous êtes mignons, mais... Je suis une bougie, moi, je veux pas finir brûlée. Parce que finalement, ça serait pas notre destinée, finir brûlée. Parce que c'est pas possible de devenir un phare, hein. Je suis désolé, je maintiens la question, tu ne pourras jamais devenir un phare, la bougie. Ouais, mais je suis une bougie, quoi. Oh, faut faire gaffe à ça aussi. Non! Putain, mais cette bougie, elle peut même devenir conductrice de bateau, quoi. Mais c'est dingue. Ah, il faut que je le tourne de l'autre côté, c'est ça l'idée. Faut que j'ouvre les chaînes. C'est génial, c'est génial. Par contre, on va m'expliquer pourquoi ça fait ça, mais c'est génial. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça rigole pas, là. Ok. Il va falloir aller chercher le mot de passe de tous les trucs. One by one, à 15 000 mètres. Sérieusement? Parce que là, du coup, l'enclume recule ou pas? Je pense que l'enclume recule. Après, il faut que je revienne pousser ça pendant 20 000 ans, finalement. En tout cas, une bougie qui ouvre des portes aussi, vous avez jamais vu ça. Non, mais là, c'est un truc de dingue. Cette vidéo, c'est un truc de malade. C'est la première fois qu'une bougie est autant utile dans la vie. Parce que, à part quand il y a une coupe. À part quand il y a une coupure de courant, finalement, ou pour que ça sente bon. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de bougie pour que ça sente bon. Ça sert pas à grand chose une bougie. Et là, cette bougie, carrément, elle est folle. Elle veut devenir un phare, elle ouvre des portes, elle pousse des trucs, elle esquive des lance-flammes. Mais c'est un truc de malade. Bon, alors, un lance-flamme. Il s'éteint, on avance, il s'éteint, on avance. Donc là, ça fait du feu. Ça s'éteint, ça s'éteint. On saute maintenant. Ça va être ultra tendu ce niveau. Ne me dites pas que c'est pas stylé, franchement, une aventure de bougie. Mais moi, le prochain God of War, faut le faire sur une bougie, en fait. Hein, on arrête tout et on enlève Kratos, on met la bougie, hein. C'est bon. Hein. Il va falloir que je saute là en bas. Maintenant, j'ai réussi à passer à travers toutes les caisses. Alors ça, c'est du jamais vu. Ok, ok, c'était par là. C'était par là. Putain, la caisse, elle va se faire aspirer. Y a un bouchon de salle de bain qui n'a pas été fermé. Vous avez déconné, les mecs. Encore un bouchon de salle de bain. Non, je vais être restreint côté mouvement, faut que je bouge. Ah ouais, ça a tout aspiré, d'accord. Ah oui, bah là, j'ai plus du tout de mouvement, en fait. Vous êtes sympas, les mecs. Vous êtes sympas. Tombe pas. Tombe pas. Tu vas te prendre l'hélice, attention. Attention l'hélice.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc on a déjà fait 3 chapitres sur Candleman. J'ai fait pas mal de cuts pour pas tout vous montrer, je vous ai montré le plus intéressant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais au début, bon, c'était... J'avais très peur au début, voilà, j'avoue, je pensais qu'il n'y avait pas d'aventure finalement, que ça allait se finir comme ça, juste trouver des bougies, compléter des bougies, mais non, en fait, une aventure se révèle, et notre bougie veut devenir... un phare. Donc mine de rien, voilà, les mécaniques commencent à se proposer de ouf, genre il faut faire tourner des trucs pour enlever des trucs, mais ça en met de l'autre côté, du coup faut retourner le truc pour pouvoir y aller, pour accéder, pour activer le bouton. Les décors sont beaux avec les parchemins, les livres et tout ça, c'était ultra cool. On va tourner très vite la suite, ne vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette première vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.